disons que là, comme tu l'as dit, on a deux matchs dans la semaine. Donc on a joué mercredi contre Rodez, puis on joue samedi contre Clermont. Donc on a fait une séance le jeudi matin, une séance aujourd'hui. Le mardi, on a doublé. C'est un peu moins intense que la semaine dernière, parce que justement, il y a deux matchs. Mais ça reste quand même des séances assez soutenues. Oh, alors c'est sûr que plus la compétition va approcher, plus les temps de jeu vont être réduits pour certains. Mais là, je pense que le coach a fait deux fois 45 minutes sur les deux premiers matchs. Je pense qu'il va un petit peu allonger le temps de jeu pour certains et d'autres en auront un petit peu moins. Ben, disons qu'on va avoir deux entraînements par jour et puis voilà, après on va vivre ensemble pendant une semaine, donc apprendre à se découvrir aussi. Et puis voilà, quoi, et puis après on aura ce match amical le vendredi à Leipzig. Oui, on passe ses marques et une autre façon de travailler aussi. Donc voilà, on se découvre petit à petit et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et disons que voilà, il y a un nouveau staff, il y a pas mal de jeunes qui montent sur le stage avec nous. Donc voilà, c'est enrichissant. Après, c'est sûr que c'est sportivement, c'est plus difficile quand il y avait les vitaux, les congrès, enfin voilà. Mais bon, c'est un autre, quelque part un autre travail, quoi. Voilà, pour essayer de faire progresser les jeunes. Ben là, ça fait une semaine que Benjamin l'a pris à part, et puis on espère qu'en début de semaine, il sera avec nous en stage, oui. Oui, ouais, bien sûr. Oui, Pétard aussi, oui. Pétard. Il a eu un petit coup de fatigue il y a deux jours, mais là ça a l'air d'aller. Ce matin, il a fait du vélo et donc demain, il est à Millau. Oui, c'est spécial. Après, bon, chaque année, ça, mais là, cette année, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de clubs d'abord qui veulent vendre justement après pour acheter. Donc voilà, c'est... je pense que ça va mettre un petit peu de temps à se décanter. Il a tenu ce rôle quelques fois, avec succès. Donc voilà, il succède à Vito, qui a été un capitaine énorme. Donc Andy a toutes les qualités pour être le leader et le capitaine de cette équipe. Hein.